Bon, voilà, c'est reparti pour la deuxième partie. Vous avez vu l'arrivée de Ebenezer Kepombia Mitumba. Là, il y a la troisième invitée, Muriel Blanche, qui est là aussi, qui vous permet de voir. Tu peux lui faire... Bienvenue Muriel. Merci. Ça va? Alors, enfin arrivée, heureuse. Très heureuse, très très heureuse. Faire voir la traîne. La robe est de qui? C'est en bouté? C'est en bouté? Okay. C'est bon. D'accord. Après, vous permettez que Muriel Blanche. Bon, vous permettez que le magasin n'y a pas de mine. Oui, pardon. Vous permettez qu'on puisse travailler, s'il vous plaît. Permettez qu'on puisse travailler, s'il vous plaît. Après, vous aurez le temps pour les photos avec elle. Ouais, si vous commencez, je vais s'il vous plaît. Merci. Voilà, on est en train de travailler. Non, je termine l'interview pour le magazine et après on fait le shooting. Alors Muriel, on s'est loupé plusieurs fois. Laurentine, magazine Nyanga. Alors tu es heureuse, je recommence parce qu'il y avait tellement de bruit tout à l'heure. Heureuse d'être à cette première édition parisienne de la nuit de la série. Merci. Qu'est-ce que tu espères de cet événement? Pourquoi tu es venue? Alors déjà pour moi, je voulais le découvrir et je suis très contente de savoir que les séries africaines sont regardées non seulement sur le territoire local, mais également à l'international. Et on a fait une soirée spécialement pour mettre en valeur ces séries-là. Donc pour moi déjà, c'est une grande première et je suis très fière, très contente de savoir qu'il y a dans la catégorie des séries sélectionnées, une des séries dans laquelle j'ai joué, notamment Madame Monsieur saison 2. Alors il y a également la saison 3 qui se prépare. On a vu le casting monstre à Douala. Est-ce que ça augure un changement dans le scénario, par exemple? Non, pas spécialement, parce qu'on connaît déjà les acteurs principaux. Mm-hmm. Et on avait besoin des acteurs secondaires et des acteurs pour pouvoir incarner les troisièmes rôles et également quelques figurations aussi. Voilà. Alors, pourquoi, qu'est-ce que tu espères à la fin? Toi qui es également productrice, est-ce que ici tu viens également chercher des partenaires par rapport à tes projets personnels? Oui, ici on essaie de rencontrer, c'est comme un marché de rencontre entre les producteurs, les acteurs et les réalisateurs. Donc voilà, donc, on espère qu'on va les rencontrer tous. Donc ça bouge un peu là. On va terminer. Oh, on est en pleine interview. Ah là là. Emma qui est arrivée. Ah là là. C'est bon. Ça peut nous regarde. Regarde nous regarde. Si vous ne pas, j'ai une portable. Là. Trop belle. Comment je mets? Mets-toi les bottes pour moi. Deux secondes. Tu es plus en retard.
ségrégation. Il ne faut pas faire la ségrégation des immigrés. S'il vous plaît. Non mais la dame elle faut répondre. Non attends, il y a le photographe derrière toi. Vas-y. Je le dirai.